God, est-ce que ça va être fort ou pas? OMG. Bon, bref, c'est pas grave. Oh, le petit chat de chargement. Un instant que tu te ne réveilleras jamais. C'est X pour on croit pour changer de dialogue d'ailleurs. Comme ça aurait été ironique, non? Je suis Caron. Charon. Caron. Le spirit fareur, le passeur d'âme. C'est-à-dire ce que j'étais jusqu'à ton arrivée. Je ne veux pas dire que je suis triste de partir, mais il me reste quelque chose.
quelques petites choses à faire ici. Je crois bien que c'est toi qui prendras ma relève. C'est, après tout, mon dernier jour. Et tu es... Stella. Stella. Bienvenue, Stella. J'ai vu que tu avais un ami à toi. Comment s'appelle-t-il? Je vais t'ennuyer. Voilà. Pardon. Daffodil. Je vois. Vous serez donc tous les deux responsables. Je ne porte plus ce fardeau, c'est terminé. Comme je le disais, d'ici quelques minutes, je quitterai ce monde. C'est pourquoi tu es ici. Tu seras la nouvelle passeuse d'âme, la Spirit Farer ou Ferrer. Ferrer. Écoute. Les tâches seront tout sauf faciles, mais toutefois très simples. Tu dois les cuire, les esprits errants sur les îles, et lorsqu'ils seront prêts, les ramener ici. Les âmes mourantes ne peuvent pas trépasser d'elles-mêmes. Tu devras les aider à remplir leurs dernières requêtes, et être à leur service jusqu'à leur dernier souffle. Le grand pont que tu vois là, en forme d'arche, c'est le seuil éternel. Tout débute à l'alpha, tout se conclut à l'oméga. C'est là où toutes les quêtes se terminent et où l'existence rencontre son seuil. Il n'y a pas de tâche plus importante que celle-là. Ne l'oublie jamais, Stella. Je dois te donner quelque chose. Voici. Tu dois faire très attention avec ceci. C'est la lanternelle. C'est le symbole de ton statut ici et le seul outil dont tu auras besoin. Mais attends, qu'est-ce que... Daffodil. Oh, comme c'est inapproprié. Oh. Oh. On dirait Zelda. Voilà ce qui clôt l'affaire. La lanternelle t'aidera dans tous tes voyages. Ce sera la lumière qui illuminera les sanctuaires obscurs, la dernière goutte d'espoir pour les défunts. C'est trop beau. L'espoir est une flamme, la lumière qui ne faiblit jamais, un phare dans l'éternité. Celle-ci lourde et gênante, mais elle tient à un devoir bien plus grand. Je suis sûr que tu l'utiliseras parfaitement. Tu vois, moi aussi je me suis senti dépassé au début. Essaie de te concentrer. Prends une étape à la fois. Tu seras vite habitué à ces lieux. Tu te familiariseras avec ces moments. Après tout, tu es la nouvelle Spirit Farer. Oh, une dernière chose. Lorsque je serai parti, tu devras trouver ton propre bateau. Le mien ne te conviendrait pas et disparaîtra avec moi. Tu devras en trouver un près d'ici. Si tu rames assez longtemps dans la bonne direction, probablement. Bon, j'y vais. Qui est le mec sauté? Au revoir, Stella. Et bonne chance. Tu en auras besoin. Non, monsieur. Let's go. C'est trop beau. Ah merde, c'est à moi. Yeah. Appuie sur A pour sauter, maintiens A pour sauter plus haut. Maintenir haut en sautant pour grimper à travers les plateformes. Ok. Hello.
Oui. C'était pas. C'est vraiment toi. Tiens-toi bien droite quand je te regarde. Mmh. Tu parais bien. Tu parais bien. Ok. Ah, tu parais bien. Et Daffodil est là aussi, je vois. Mmh. Nous allons avoir besoin d'un rouleau anti-peluche. Ah, ce n'est peut-être pas clair. Mmh. C'est moi, Gwen. C'est une bonne chose que tu m'aies trouvé. Mmh. Mais si tu es ici, cela veut dire que. Oh. Tu es la nouvelle passeuse d'âme, la Spirit Farer. Mmh. Tu es celle qui remplace Caron. J'ai essayé de m'en débarrasser. Je suis arrivée ici par accident. J'étais prise pour cette île. J'étais prise sur cette île dégoûtante pendant des semaines, vivant de sardines et de cigarettes. Mmh. C'est drôle comme moi. Comme c'est moi qui te sortais du pré. Voilà, j'arrive pas à lire. C'est drôle comme c'est moi qui te sortais du pétrin avant. Je vois que tu as la lanternelle maintenant. Mmh. Évidemment. Tu vois le bateau là-bas? Yes. Mmh. C'est celui-là. Mmh. Il est manifestement minable, mais réquisitionne-le. Je te gage qu'il fonctionnera, puisque tu es la Spirit Pharaon. Ok, rejoins-moi sur le pont. Mmh. Je t'expliquerai tout. J'espère que mon manteau de fourrure ne sera pas trop abîmé. C'est lumineux. Mmh. Magnifique. Je ne saute d'habitude pas de joie, mais je me sens si bien. Tout cela est bien mieux que je ne l'aurais cru. Mmh. Alors, si je comprends bien, ce bateau est désormais le tien. Tu ne crois pas? Mmh. Bien. Et comme tu es la Spirit Farer, ton nouveau travail est d'accueillir les esprits errants. Une fois à bord, ils prendront leur vraie forme. Mmh. En tout cas, c'est ma théorie. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Mmh. Viens ici et donne-moi un câlin. La meuf fume. Bravo. Donner nourriture câlin. Oh. Mmh. Beaucoup mieux. Suis-moi. Observons ce chaos. Mmh. Oh non. Mmh. Quel gâchis. Cela me rappelle l'ancienne cour de tante Pétunia. Le témoignage désorganisé et magnifique de la paresse d'une personne. Mmh. Ou l'impossibilité vitale de se débarrasser de quoi que ce soit. Vous devrez à tout prix faire quelque chose, sinon je devrais combattre mon allergie à la poussière. Laisse-moi y penser. Mmh. Il n'y a qu'une seule façon de remédier à la situation. Tu dois aller voir Albert. Mmh. C'est une sorte de requin de la finance, et ses blagues sont nulles. Mais il est le seul à pouvoir réparer ton bateau. Mmh. Nous devrions nous diriger vers le chantier naval d'Albert. Te demander grâce à quoi se déplace ton bateau, je vais arriver. Mmh. C'est très facile en fait. Voilà une clé que j'ai trouvée sur l'île. Elle débarre la cabine. Derrière, mmh. Tu trouveras un projecteur cartographique. Et comment je sais tout ça? Eh bien, je planifie une évasion, tu te rappelles? Mmh. Et tu me connais. Je planifie méticuleusement les choses. Très mmh. méticuleusement. Vas-y, entre dans cette cabine, Stella. Mmh. Le projecteur cartographique est simple à utiliser. Et tu n'as qu'à mettre le cap sur le chantier naval d'Albert. Ok, nouvelle destination dévoilée, chantier naval d'Albert. Ok. Mets en marche ton bateau à partir de la cabine de Stella. Je peux maintenant parcourir le monde comme c'est bien. Requête de Stella, amélioration de routine. Ok.
Optimise d'enfance, nouvelle aventure, à la réservation avec Calin. Modificateur d'humeur, fait du shopping pour trouver des fibres, achète du fil, utilise le métier à tisser. Je peux lui faire un câlin. Hein. Mmh. Merci, mais ce sera pas nécessaire. Co! Ok. Elle me fait méchante. Attends. Oh, what? Ah, elle est d'or. T'as faut dire. Alors, la carte. Ouh. Port d'Alt. Chantier naval d'Albert. Ah oui, quand même. C'est quoi? Ça doit être A, ça doit être le pont. Ok, ben let's go. L'enquête progresse, mais les voiles capitaine. Ah, on voit en temps réel. Ok. Stella. Si je comprends bien, le bateau fonctionne grâce à la lanterne. Voilà comment il navigue les océans, dévoile les esprits errants. Cela explique aussi pourquoi je ne peux rien faire moi-même. Tu dois l'admettre, tout cela est fascinant. Écoute, tu dois te sentir dépassé. Caron, le seuil éternel, les passeurs d'âme, cet endroit, ce bateau, ma présence ici, cela fait beaucoup. Tu dois te demander ce qui se passe. Pour dire vrai, je ne le sais pas non plus vraiment. Mais je suis là pour toi. Je ferai de mon mieux pour t'aider et pour donner un sens à tout cela. Comme je disais, j'ai voulu tout quitter. Mais pour une raison ou une autre, je n'y suis pas arrivé. Maintenant que tu es là, je crois savoir pourquoi. Je te quitte un instant, mais n'hésite pas à explorer le bateau. Tu peux même essayer ta canne à pêche. Le monde est à ta portée. Yeah. Ok. La pêche. Ok. Un hareng. Yeah. Encore. C'est le pile. C'est trop beau. Ah, on arrive, hein? Oui. Est-ce que je peux pète ce cat? Il se passe quoi? Découvert chantier naval d'Albert. C'était là qui va me parler. C'était là. J'ai oublié son nom. Voilà un nom. Bref. Maintenant, dirige-toi vers le chantier naval d'Albert et améliore ta table à dessin. C'est le seul moyen de ranger ce fouillis. Je me demande ce qu'on y retrouve. À l'odeur, je dirais différents types de saleté et de poussière. Ok. On sent la meuf transforme des trucs. Yeah. Hello! Bienvenue dans mon chantier naval, jeune voyageuse, là où mes prix sont les meilleurs amis des clients. Je suis Albert. J'œuvre dans l'industrie de la construction navale depuis des années. Dois-je comprendre que tu es la nouvelle Spiritfarer, la passeuse d'âme? Mais oui, bien sûr que tu l'es. En tout cas, tu es capable de mettre les voiles et de mener le bateau, ce bateau jusqu'ici. Ah oui, c'est Gwen! Gwen a raison de te guider vers mon humble entreprise. Ah, laisse-moi voir ce que tu as ici. Beau petit rafio. C'est drôle, il est identique à un bateau que j'ai construit il y a longtemps et entreposé dans mon vieux chantier naval. Tu vois, Caron était mécontent de son arche sombre et humide. En fait, il se plaint toujours de quelque chose. Mais le client a toujours raison. Je lui ai donc construit un nouvel engin, un meilleur. Mais évidemment, il n'aurait jamais abandonné son autre barque.
ce n'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Mais ne t'inquiète pas, tu peux garder Zoé. Appelons ça à un prêt. Et laisse-moi te raconter quelque chose. Tu sais comme nous blaguons à propos de la construction ici. Ne t'en fais pas, nous y travaillons encore. En tout cas, avec un peu d'amour, cet oiseau prendra son envol. La première chose dont tu auras besoin est une bonne table à dessin. Puisque c'est ton jour de chance et que je me sens généreux, je t'offre ta première table à dessin. Gratuitement. Garde en tête que ces fonctionnalités sont quelque peu minimales. Mais les améliorations que tu voudras y faire sont disponibles à faible coût, à tel point que tu les voudras presque immédiatement. Tu n'as qu'à m'indiquer une amélioration à faire au bateau. Nouvelle requête construction 101. Ok. Amélioration. Table à dessin, maison, jardin, champ, cuisine. Ok, ben. Débutant. Et voilà, tu pourras me construire et modifier tes bâtiments sur le bateau. Quel bonheur. Mais si tu veux vraiment améliorer la taille de ton bateau et son confort, je suis ton homme. Tu reviendras lorsque ton bateau te paraîtra trop bondé. Salut. Ok. Est-ce que je peux partir? Ah, je peux nager. I guess. Enfin. Bien. Albert te l'a donné gratuitement et il a dit qu'il te prêtait le bateau. Inquiétant. Il est difficile de savoir ce qu'il avait en tête, mais cela ne me semble pas très rassurant. Mais peu importe, essayons de nous concentrer sur notre tâche. Nettoyer ce pont. Tu peux aller à la table de dessin au-dessus de ta cabine et sélectionner l'option modifier. Grâce à elle, tu seras capable de déplacer tous les bâtiments et de récupérer leurs ressources. Vas-y, je t'attendrai ici. Ok. Modifier. Ah oui, d'accord. Ah oui. Déconstruire le bâtiment, veux-tu vraiment déconstruire ce bâtiment? Tu récupères la ressource suivante. Bûche d'érable 20, 3 bouteilles vides, 2 vieux souliers, 1 vieux tapis. Oui. Merveilleux. Tu as fait un travail merveilleux, Stella. Et la bonne nouvelle, c'est que tu as assez de ressources pour ajouter une maison d'invité à ton bateau. Une commodité essentielle. Les esprits nouvellement accueillis, comme moi, auront un endroit temporaire pour relaxer et dormir. Bon, dormir, pas vraiment. Je peux t'assurer que personne ne veut passer plus d'une nuit là-dedans. Mais c'est mieux que de dormir sur le pont. Les étoiles sont belles, mais le bois est si dur et l'humidité est difficilement tolérable. Je le laisse entre tes mains, amuse-toi. Ok. Construire. Champ, jardin, cuisine. Ok. Champ avec un peu d'eau et de soin. Tes graines de céréales vont grandir en un temps. Jardin, l'endroit parfaitement parfait pour faire pousser tes graines de légumes. De légumes en de bons légumes. Ok. Pour tous tes besoins culinaires. RB. Maison d'invité. Tout le monde est bienvenu dans la maison d'invité. Ok. Matériaux qui tu ne peux qu'en construire un check. Okay. Très joli. Cette maison d'invité est très jolie. C'est à cause de tes ajouts. Beau travail, comme d'habitude.
Au moins maintenant j'ai un endroit pour m'asseoir et profiter du paysage. Oh, attends. Mmh. Que se passe-t-il? Il se passe quelque chose. Mmh. Ah, j'aurais dû y penser. J'ai faim. Mmh. J'ai très faim. Tu sais à quel point je suis une mauvaise cuisinière. Mais je me rappelle que toi, tu es excellente. Mmh. Et tu dois avoir pêché quelques poissons déjà. Le problème, c'est que je ne peux pas manger un poisson entier cru. Bien sûr, je pourrais essayer, mais je risque de m'étouffer avec une arête et ne pas survivre. Mmh. Ce n'est pas comme ça que tu veux que je meure. Aussi absurde que ça puisse paraître. Effectivement. Tu devrais utiliser ta table à dessin et construire une cuisine à bord. Je suis presque sûr d'avoir vu les plans sur la table. Tout comme les ressources nécessaires. Merde. Quoi? Il y a des gros mots? Je suis choqué. Merde, tu as besoin de gelée scintillante. Il n'y a qu'une seule façon d'en obtenir. Écoute, j'aurais dû te le dire quand je t'ai rencontré. Quelque chose me terrifie à mort. Une présence sinistre qui me fige. Un grand vide qui avale tout, même la lumière. Elle peut prendre différentes formes, mais pour moi, ça a toujours été la méduse. Oui, je sais à quel point c'est ironique. La gelée scintillante dont tu as besoin pour construire la cuisine, eh bien, seules les méduses peuvent t'en donner. Alors, il n'y a pas d'autre option. Je devrais affronter ma peur. Mais tu es ici. Avec toi, je peux le faire. Elles sont représentées sur ta carte par une tache sombre et inquiétante. Tu ne peux pas les rater. Vas-y, je vais me préparer. Ok, nouvelle requête. Grognon l'estomac. Ah, j'ai pas vu. Hello? Des ressources qu'on trouve. Bon, on va d'abord faire ça. Méduse niveau 1. On a des combats. Non. Pas de combat dans le jeu. Si. Ça serait étrange. Encore un rang. Yes. Yes, bon. Je le sens bien. Dis-moi, il en faut 3. Oula. What the hell? Voilà, nous en sommes. Merde. Elles arrivent. Rappelle-toi de garder l'œil sur celles qui ont de la gelée scintillante. Elles sont assez visibles. Cela étant dit, fais-en éclater le plus possible, tu obtiendras des lueurs de toute façon. Allez, vas-y. Ok. What? C'est là, étant donné que le bateau si jamais s'arrête, c'est encore autre chose. Je suis où? Je ne me vois pas. Attends, mais. Thank you.
happening? L'armada. Fantastique. Ok, je suis très impressionné. Tu as été super. Culbutant et plongeant comme une étoile filante. C'était la PTDR, toi, étoile filante. Sans hésitation et sans peur. Tu n'as vraiment pas perdu la main, Stella. Tu as recueilli assez de gelée scintillante pour construire une cuisine digne de ce nom. Lance-toi. Je t'attendrai patiemment. En me dirigeant lentement là. En me digérant lentement à l'intérieur. Ok. Cuisine. Du coup, j'ai 470 de lueur. Belle cuisine. Tu peux désormais utiliser le four. Ça devrait être simple. Tu mets des aliments au four et tu attends que ce soit cuit. Tu pourrais même y mettre ces grains de maïs jusqu'au fond des poches. Que j'ai au fond des poches, j'arrive pas à lire. J'ai hâte de te retrouver à la barre de la cuisine. Tu es capable. 3 de maïs. Yeah. Recette. Évidemment, j'ai aucune recette. Cuisiner. Maïs. Le maïs est un grain de couleur or et a des tonnes d'usages différents. À parfois les pires suites, peut-être moulues, en de la farine de maïs à l'aide du moulin. Le hareng est un petit poisson ambitieux, certains disent qu'il peut être mangé une fois fermenté, aussi louche que cela puisse paraître. Bûche d'érable, bûche lourde provenant d'un érable très utile comme matière de construction. Voyons voir si la scierie peut en faire quelque chose. Il en faut 3. Hein. Je cuisine. Donc tu vois, ne me demande pas comment, mais j'ai déjà rencontré Albert le bricoleur. C'est tout un requin. Mais son amour des choses maritimes sera utile. Tout comme les améliorations au bateau qu'il vend à prix d'or. Avec ces améliorations, tu seras capable de traverser ces sinistres intempéries qui te bloquent le passage. Cela me semble être encore de bien mythiques défis. C'est un peu cliché si tu veux mon avis. Il fait trop noir pour naviguer, ce serait possible d'un nouveau lever du soleil. Ok. C'est un peu cliché si tu veux mon avis. Oui. Stella. Ah, oui. J'ai oublié de te dire quelque chose. Comme tu vois, ce bateau jette l'ancre la nuit. Je pense que c'est dû à la lumière de ta lanternelle. Ou un autre détail. Ceci étant dit, cela permet aux gens de dormir sans être dérangés. Pendant ce temps, tu peux faire ce que tu veux. T'attaquer à des tâches à finir ou te détendre sur le pont en regardant les étoiles. Je te suggère d'aller dormir aussi dans ta petite pièce confortable au-dessus de ta cabine. Tu te réveilleras en pleine forme et prête à partir. Et le bateau se remettra en route au petit matin. Oh, parlant de ça. Tu me connais. Me réveiller à l'heure n'a jamais été mon fort. Tu peux sonner cette cloche pour réveiller tout le monde. Mais rappelle-toi, ne sonne qu'au bon moment. Tôt le matin, ça devrait aller. En parlant de temps, c'est à l'heure que je fasse une sieste. À demain, Stella. Bonne nuit. Ok. Mais madame, ton plein en fait. Oh, le sang. 3 popcorn. Yeah. Oh. Ok. Madame. Madame, faut le mettre hors debout, d'accord.
j'attends. Ok. Ah oui, l'icône de la cloche en bas à droite. Appuie sur LB pour activer et désactiver l'horloge et afficher la trajectoire. Ok. Ah oui, la meuf sort instant. Je peux le sentir. Je pourrais manger n'importe quoi. Donne-moi de la nourriture. Popcorn, taille de repas, collation, type de plat réconfortant. Donnez. Ah, c'est du popcorn, mais la meuf a un gâteau dans la main. Ok. Eh bien, je ne suis pas morte encore. Merci Stella, c'est le meilleur que... C'est meilleur que je ne l'aurais cru. Tu as toujours été une merveilleuse cuisinière, je le répète. N'oublie pas, les esprits ne vivent pas de soleil et d'eau. Nous avons besoin d'un bon repas une fois de temps en temps. Ce sera à toi de comprendre ce que chaque personne préfère. De mon côté, je suis sûr que tu t'en rappelles, j'ai toujours adoré la nourriture réconfortante. Et je pourrais donner ma vie pour une tasse de café. Mais je ne suis pas si difficile, je peux manger n'importe quoi. Mais pas deux fois de suite. Oh, et avant que j'oublie, voici un petit quelque chose que je devais te donner. Je ne suis pas sûr de comprendre comment ça fonctionne, mais l'obol symbolise le passage. C'est le droit de passage que chaque esprit doit te verser. Mais quelque chose me dit que tu le sais déjà tout ça. Bon, continue à améliorer cette embarcation. Comme tu as pu le voir, il y a sur ta table à dessin des plans pour un champ et pour un jardin. Ce qui signifie que tu peux cultiver plusieurs choses différentes et transformer ce bateau en une adorable ferme. Tu devrais premièrement ajouter un champ à mon avis. Il sera plus facile d'en trouver les ressources aux alentours et tu pourras y faire pousser du lin. Ça te sera utile pour fabriquer encore plus de choses. En plus de construire un champ, nous devrions aller acheter des graines à y planter. Mais ça viendra plus tard. J'ai besoin que tu visites une île près d'ici. Elle se nomme Lance à Mostein. Mostein. Il y a quelque chose là-bas dont nous avons besoin. Je te le dirai quand nous serons rendus. Ok. Hello Fifi. Alors, la carte. Je peux pas la récupérer des trucs? Moi, je vais récupérer des trucs, là. J'y vais, hein. Pensant que je vais pêcher. Ça va, le Fifi? Le mec dit oui. Ok. C'est pas tant mieux. Waouh! Un vieux soulier, je suis vraiment hyper heureux. Quoi ce jeu? Un mélange de jeu de gestion et de jeu de... je sais pas trop quoi. En gros, t'incarnes Stella, qui est la nouvelle passeuse d'âme, et en gros, tu accompagnes les défunts dans l'au-delà, si je dois dire. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Attends. Et en gros, tu dois prendre soin d'eux, etc., etc. J'imagine, hein. Je passe encore. Jusqu'à qu'ils aillent dans l'au-delà, en fait. Okay.
C'est hyper mal, c'est très très mal expliqué, hein, mais Kevin n'avait bûche d'érable qu'un de maïs. Mais c'est typiquement le jeu que, qui pourrait plaire à ce soir, un jeu de gestion, etc. Oh, j'avais pas vu le petit chat, vu comme il a peur de l'eau. Elle est sur sa petite boule. Elle est toute hérissée parce qu'elle a peur. Y a ça en fait, pourquoi ça scintille? Je sais pas pourquoi ça scintille, moi. C'est pas grave. Ah, je peux pas prendre le bateau? Le vieux bateau? Ah non. Ok. Bien. Je vais. C'est quoi ça? Il y a un... Ok, c'est pas grave. Je vais aller là. Et tu vois, genre, c'est trop beau. Genre, c'est tout dessiné à la main, trop bien animé et tout. Et en gros, genre, ton truc principal, c'est ce bateau. Et tu peux construire des bâtiments pour l'améliorer. Genre, tu vois, une cuisine, un jardin, un champ... des maisons quand il y aura plusieurs personnes sur son bateau et tout, et tu vas j'imagine que tu vas d'île en île pour trouver des nouvelles personnes à accompagner dans la mort et tout. Et voilà. Et plein d'autres trucs j'imagine encore plus tard. Mais tu restes pas alone tout le temps? Comment ça? Et tu vois, genre ça perçoit ses besoins, genre par exemple humeur. Joyeux. Oui. Donc la meuf s'appelle Gwen, son aliment favori c'est un café noir, elle aime les aliments réconfortants et autre chose, elle n'aime pas, on sait pas encore. La meuf est contente, elle est optimiste devant sa nouvelle aventure, elle a mangé un repas qu'elle aime. Et elle, on peut modifier son humeur, faire du shopping pour trouver des fibres, acheter du fil, utiliser le métier à tisser. J'avais pas vu ce PNJ. Ah non, oui, tu vois, c'est la première en gros, c'est un peu le PNJ tuto. Et tu, je sais pas si je peux lui faire un câlin, donc je vais essayer. Oh, regarde, lui faire des câlins, c'est trop mignon. Pour les apaiser. Merci. Et tu peux lui parler, tu peux lui donner de la nourriture si elle a la faim, et tu peux donner des trucs, j'imagine. Tu sais, je me délecte de ta présence ici avec moi, mais je ne suis pas du tout surprise. Cela est censé. Tu es ici, tu prends soin de moi durant mes dernières heures. Tu vois, de moi, c'est super joyeux, PTD. T'as toujours protégé ceux que tu trouvais vulnérables. Et même les snobs, les pédants comme moi. Te rappelles-tu le jour où mon père a crié contre le chat? Nous quittions l'école primaire, tu portais tes baskets bleues à motifs dorés. Et tout à coup tu t'es mise à crier comme contre mon père, comme si tu étais investi d'une mission. Mon père est devenu rouge et a brisé le vase dès l'anneau violet. C'était top. Ok. Attends, mais elle se connaissait avant? What? Je savais pas. Bûche, graines de maïs, navet, bouteille, graines de café. Ah, du café, ça fait pas mal. Je crois qu'elle quand même aime le café, Gwen. Ok. Il y a une coquille ici, j'aimerais bien l'enlever là, ça me stresse. Ah. Le skin de Kingdom, quoi? Tu parles de quoi là? De Gwen? Ah, tu peux pas lui parler tout le temps. Ok. Ok. Donc, on a fini ça. Et toi, t'as une grande carte à explorer. Bah, accompagner les gens dans la mort là. Ouais. Bah en fait au tout début, genre t'as pas forcément de contexte, tu te réveilles sur un bateau avec l'ancien passeur d'âme et il t'explique que maintenant toi t'es la nouvelle Spiritfarer qui veut dire donc passeuse d'âme.
Et tu te retrouves devant une énorme arche. Je sais pas si t'as vu les trailers, mais genre tu te retrouves devant une arche qu'on voit énormément dans les trailers. Et en gros, cette arche, ça représente un peu. Une fois que t'as fini ta quête avec un PNJ, j'imagine tu vas te retrouver devant cette arche et ce perso va te quitter à travers cette arche, machin. Parce que, genre, comme il disait, genre tout commence à l'alpha et tout finit à l'oméga, et genre l'arche représente l'oméga en fait. Enfin, bref, tout un truc. Mais c'est trop beau, genre. C'est trop beau. Je sais pas si. Je pense que quand le tuto sera fini. Oula, what the fuck? J'ai faim de ces sauts là. Quand le tuto sera fini, elle. Ah oui, d'accord. On verra genre Gwen aller dans l'au-delà, j'imagine. What the hell? C'est trop bien. Ouh. Et genre les animations sont trop belles. What the fuck? Moi, j'aime trop. Bon, je pourrais peut-être pêcher du hareng, genre il y a que du hareng dans la mer des morts là. Il se passe colo. Ok, on est bientôt arrivé. Pas dormir comme je veux. Tu fais quoi, Gwen? Tu chill? Le chat sert à quoi? Alors j'imagine que pour l'instant il. Enfin. Là pour l'instant il sert à comme compagnon, mais je sais que t'as un mode multijoueur. Où le deuxième joueur contrôle le chat. Alors je sais pas du tout à quoi il sert. Découvert en sa Mostein. Je sais pas comment ça se prononce. Mostein? Mostein? Regarde ça. Nous devrions descendre sur l'île là-bas. Nous y trouvons peut-être quelque chose d'intéressant. Oh non, son humeur elle a changé, why? Allez, prendre le bateau. Ok. Peut-être atteindre des trucs cachés, peut-être. Là j'ai clairement pas tout vu, hein. Je sais qu'il y a une partie exploration il me semble. Peut-être qu'on va voir là. Waouh. Ok, donc tu trouves des trucs dans le décor. Allons-y. Quel arbre majestueux. Bon, tu peux le couper? Oui, c'est bon, je te le promets. C'est la meilleure façon de te procurer le bois dont tu as besoin. Ne t'inquiète pas, il repoussera avec le temps. Une autre propriété intéressante de la lanternelle. Et tu vois, genre, au tout début, quand l'ancien passeur, il est mort, du coup, il lui a filé la lanternelle, le sorte de boule qu'elle a au niveau du ventre, qui lui permet de, d'ouvrir son inventaire, et faire d'autres trucs, de matérialiser des choses. Et tu vois, le chat, il en a un aussi, autour du cou, bref. Oh le sang! JPP, regarde le chat, il est trop chou! What the fuck? Bûche d'érable. Bien joué! Félicitations! Tu es désormais la mort. La destructrice des mondes, ok. Sans blague, c'est comme ça qu'il faut faire. En plus, c'est des gros mots, la meuf elle dit merde. Hein. Bravo, bravo Gwen! Vas-y et coupe plus d'arbres. Et puis nous pourrons retourner sur le bateau et construire un champ avec des bûches d'érable. Je serai près du radeau. Ok. Bon, tu commences à faire nuit. Framboise. De bonnes framboises. JPP, c'est hilarant l'animation, wesh. Pour ou la pour, je sais pas si c'est un mâle ou femelle. Je sais qu'il ou elle s'appelle Daffodil. Calme-toi, Daffodil.
maintenir. Ok. Ah. J'aime trop les animations, genre vraiment. JPP. Ok, le Fifi. T'es caté. Ok, on va retourner au radeau. Hello Gwen. T'as faim? Bah, je peux te donner quelque chose à manger si tu veux. Bah, peut-être en rentrant sur le bateau, tiens. Il fait trop noir pour naviguer, ce sera possible à nouveau au lever du soleil. Yes. Bon, bon. Ok, la meuf s'en va un instant. Ok. Est-ce que je peux cuisiner un truc? La moule est un petit et délicieux mollusque, toujours bon avec des frites fraîches. Mmh, ça c'est bien vrai ça. Attends, je peux cuisiner des moules. Bah vas-y. Ah oui, tu vois le miniteur sur le mur, j'avais point vu. Je meurs. Oh my god. Ça donne envie de pet my cat. Fortement. J'attends que le plat soit prêt. Bientôt. Yeah. Mollusque vapeur. Ok, bah du coup je vais faire des harengs. Navets, les navets sont des légumes racines le plus souvent chaque jour. Okay. Framboises, je pourrais manger des framboises toute la journée, tous les jours. En cuisine, les framboises sont considérées comme de petites baies, mais peuvent être mangées fraîches. Taille de repas, collation, type de plat santé. Ok. J'en mets 3, tiens. Non, 2. Et je vais dormir. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir sur la carte remarque? Ah, ok. My bad. Yes. À moins qu'il y ait un système de péremption, peut-être que ça sera périmé quand je me réveillerai, parce que ça reste dans le four, je sais pas. Ghost est là. Poisson grillé. Ah, du coup, ça te fait deux plats parce que j'ai mis deux poissons. Ok, c'est logique. Ok, j'ai pas touché. J'ai pas touché aux autres ingrédients pour l'instant. Je vais faire sonner la cloche pour réveiller Gwen. Bonjour Stella. Hello Gwen. Une collation serait appréciée en ce moment. T'as du repas collation. Et ben c'est parfait. Un repas de mollusques simple et délicieux pour les plus fins palais. T'as du repas petit, type de plat goût à apprivoiser, d'accord. Frais de l'océan et tout droit au four. Taille du repas petit, type de plat simple.
Ok. Eh ben, je vais te donner des framboises. Mmh. Mmh. Non, désolé, celle-là. C'est que je ne peux pas manger de fruits, pour l'amour de Dieu. Mmh. J'ai essayé, mais je ne peux juste pas. Oh. Elle n'aime pas les fruits. Ok. Eh ben, je vais... Ah oui, d'accord. Le popcorn, c'est une collation aussi. Mmh. S'il te plaît, je ne peux pas manger de popcorn. Je ne me déteste pas assez pour ça. Oh. Roll of Fifi. Mais tu veux co alors? Tu veux co, madame Lou? Je veux bien... Je viens te cuire un navet, mais je sais même pas ce que ça va faire comme plat. Oh, Refifi, écoute, regarde, tu veux voir le genre le truc le plus mignon de la planète Terre entière? T'es prêt? T'es prêt? Pet the cat? Je vais faire ça toute ma vie. Oh my fucking god. C'est trop chou. Oh. Elle ressemble à Zelda, mais oui. Sauf que Zelda, elle a pas eu toute cette couleur, elle a pas les yeux bleus, mais oui. Elle a autant de poils. Ça me donne envie de pleurer. Du coup, j'ai fait quoi là avec mes navets que j'ai mis au four? Des légumes grillés. D'accord. Est-ce que ça compte comme une collation? Bonjour Gwen. Petite place santé. Je sais pas de quoi donner en fait. Je sais pas de quoi te donner, madame. Je vais bien te donner un poisson grillé. Merci, j'adore. Ah. Ok. Bah, je vais te faire un câlin, tiens. Désolé, femme. Quoi? Je vois, ah, mais elle mange, c'est pour ça. Madame, t'es... Madame, tu bug, t'es sur pause? Ok, ça y est. Mais what? La meuf fait pas de câlin. Mon live marche en 720p? Bah... Oui, moi j'ai toutes les options de qualité. 144p, 240, 360, 480, 720p, 60. Et 1080p, 60. Ouais, c'est mon PC. Ah. Ok. J'ai CPS sur mon phone, mais pas sur mon PC. Ok. Bah ouais, c'est bizarre. I don't know, genre quoi, ça bug à l'infini? Oh. Ah, donc c'est comme ça que sont construits des champs. Enfin, dès que tu construis... D'accord, en fait, ça crée des étages. J'ai frère, c'est bon, GG. GG, BG, what the hell. Je vais peut-être modifier alors. Genre la cuisine... La cuisine, je vais la mettre en haut. Et je vais mettre le champ là. Ok. Mais du coup, c'est ça a pas de rapport, donc je vais mettre la cuisine ici. Voilà. Un champ. Mais oui, Gwen. Hello.
Ah, c'est plus joli que je ne l'aurais cru. C'est un petit je ne sais quoi. Simple mais élégant. Maintenant, il ne te reste qu'à planter quelques graines du champ ici. Les graines ne peuvent pousser que dans les lieux qui leur sont réservés. Les graines du jardin ne pousseront pas dans le champ, alors ce n'est pas la peine d'essayer. Mais tu me connais, je tuerai un cactus en plastique, alors ne m'écoute pas trop. Ok. En tout cas, il n'y a qu'un endroit où tu peux trouver tout ce dont tu as besoin. Théodore est le spécialiste des graines. Il a une boutique à Hummingberg, la ville la plus occupée des environs. Théodore et ses frères sont les fondateurs de Raccoon Inc. Une franchise douteuse avec très peu de valeur morale. Oui, ce monde a un sérieux problème de pratiques commerciales suspectes. Comme je ne veux pas que tu te fasses rouler, je vais venir avec toi et c'est moi qui parlera. Je suis tombé sur ce petit raton insolent une fois et sa malhonnêteté était flagrante. Allons à Hummingberg alors. Nous n'avons maintenant qu'à trouver des graines pour le champ. Ok, mais du coup j'ai... Graines de maïs, graines de café. Caféier. Eh ? Mais je sais pas d'où c'est tout ça, Gwen, elle est à fond, genre what the hell ? Ça se voit, la meuf, elle est née pour faire un tuto en fait, c'était son destin. Lorsque plantée dans un champ, ses graines donnent du savoureux maïs. Lorsque plantée dans un champ, ses graines donnent des plants de caféier. Je sais pas comment le prononcer, caféier et des graines de café. Ok. Je sais qu'elle kiffe ça, Gwen, c'est son plat préféré, donc j'en plante. Mais oui, je pense qu'elle a attendu de mourir juste pour ça. Mais oui, la meuf s'est même suicidée juste pour faire ça. Ok, du coup, je les arrose. Avec ma lanternelle qui se transforme en tout n'importe quoi. Donc du coup, j'imagine que je pourrais mettre plus de champs, parce que là, j'ai que 3 emplacements. C'est pas ouf, quoi. Bien. Oula. C'est quoi, des méduses encore? Méduses niveau 2. Ok. Des caisses... Bah, je vais aller là. En premier. Je pense que t'as prononcé correctement. Bah, je sais pas, Fico. Caféier? Caféier, ça sonne bizarre, quoi, en gros. Attends, mais c'est quoi ces piliers? Est-ce que je peux te faire un câlin maintenant, madame? Oh. Je me sens beaucoup mieux. Yay! Ok. Par contre, j'ai pas une estimation de quand est-ce que c'est prêt. Ah merde, non, je veux pas les réarroser en fait. Genre ça semble tellement pas français, le caféier. Ça sent bizarre. Hein. Attends, il y a plein de... Nous communes, coquilles vides. Pourquoi ça sent-il là? Je peux rien faire. Peut-être c'est pour plus tard. Ça me stresse. Ça fait du bruit et puis c'est joli. Donc... Ok. Je sais pas si j'ai niveau pour les méduses niveau 2, donc je vais pas y aller. Je vais aller au caisses ici. Pêcher du hareng.
Allô, Gwen. Bon, du coup, je vais faire des moules. Hein. Moyenne bouteille de lueur, une bouteille remplie d'une quantité notable de lueur. Hein? Ça m'a donné, d'accord, la preuve d'un droit de passage payé en entier. Ok. Du calcaire. La souplesse du calcaire pourrait en indiquer sa fragilité, mais cette roche est en fait assez durable. Peut-être défait en chaud avec un outil spécial, le concasseur. La sueur qui se dit, que... J'ai pas compris ce que t'as dit là. Je sens que plot twist ça va finir en Titanic. Bah de toute façon ils sont déjà morts en soi donc. Un mollusque vapeur. Ok. Oh, un anneau précieux, le Tisis. Le magnifique spécimen de l'unique vrai anneau, mais celui-ci ne gouverne rien, sauf peut-être un portefeuille. Il devrait être vendu. Est-ce que je peux donner à Gwen? Non, je peux pas. Ok. Et ben go pour Hummingbird. Spécialité graine de lin, graine de maïs, graine de caféier, graine de carotte et graine de navet. Ok. Je vais voir la ville moi. Mais vraiment. Non! Oh god. Mais oui. Oh, elle fait du yo-yo. C'est Zoé, elle fait du foot. Avec sa lanterne. On est arrivé, par contre il fait nuit. Il fait nuit, on doit peut-être, je dois peut-être dormir et revenir y aller demain. Allô Gwen, je l'ai vu ça, je l'ai vu qu'elle était sortie. What? C'est quoi ça? Ok. D'accord. Nous sommes ici. Allons acheter quelques graines. Théodore tient boutique. Théodore tient boutique sur l'île, rendons-lui visite. Ok, bon, bon, on y va maintenant, y'a pas de soucis. Let's go! Yeah! Y'a plein d'esprits! Ok, je peux retourner dans les maisons. C'est. Ok, je fais un câlin à. Au chat, mais. Ok. Il y a des petits trucs cachés quand même. Hello! C'est simple, j'adore ton chapeau. Notre boutique locale à Rakut Inc. ne vend que des ordures. Graines, bûches, roches. Quel item inutile! J'ai besoin d'un chapeau comme le tien. Mmh.
Ouais, j'espère que ma prochaine partie sera bientôt prête. J'ai testé les données et j'ai passé 5 minutes à ébaucher des théories. Clairement, si tu prends la spécialisation en armes lourdes de la montagne des gnomes, il y a une synergie cool avec l'habilité rôdeur de niveau 3, éviscérée. C'est un effet un peu bizarre, mais hey, 5d20... Hein, 5d20 plus autocritique, ça ne peut pas être battu, non? Quelqu'un de tôt, en fait. Parce qu'en fait, alors si j'ai bien suivi, tous les esprits ont cette forme. Et dès qu'ils sont sur le bateau, ils prennent leur vraie forme. Genre Gwen de base, tu vois, elle ressemblait à ça, mais un peu différent. Et une fois qu'elle est sur le bateau, elle ressemble à ça. Oh. Je retourne à la maison. Ne me suis pas, s'il te plaît. Oh. Je déteste quand on sait où j'habite. Si tu connais mon adresse, tu le diras à des gens. Ces gens vont le dire à d'autres gens. Écoute, je ne veux pas de courrier indésirable. Ok, en fait. Laisse-moi tranquille. Mais... Une promenade par jour éloigne le médecin pour toujours. Ce qui me rappelle... Je n'ai pas vu le médecin depuis des lustres. Oh non. Pourquoi est-ce que je pense à la santé tout à coup? Est-ce que je me sens malade soudainement? Je ne suis pas malade. Ça va. Ok. Oui. Oh, je croyais que tu avais quelque chose à dire. Ouais, j'espère que ma prochaine partie sera bientôt prête. J'ai testé... Oh non. Ça vite. Chanel, pas comme nous sur LOL. Mais oui. Ok, mais ils prennent leur vraie forme pour toujours du coup. Bah... J'imagine s'ils sont sur le bateau. J'en sais rien. Yeah, je peux me... Oh, Daffodil qui est sur mes genoux. Putain, je sens qu'il va y avoir un milliard de secrets. Ok. Je suis ici à la recherche de la bonne maison où fonder une famille. Ma femme veut que je trouve le nid qui répond à nos besoins. Un jardin, peut-être une piscine. Je ne demande pas grand chose, mais je n'arrive pas à me décider. Je sais que tu ne peux pas m'aider, mais ça me ferait du bien. Ça me fait du bien de le dire à toi. Je pourrais tomber sur la perle rare. Est-ce que je peux aller là-bas? Il y a un peu là-bas. Bah Gwen a quitté le bateau et ne s'est pas transformée en masque. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Ou alors j'ai pas su un truc ou j'ai oublié un détail. Oh. Regarde bien ce sanctuaire Stella. Il est tout simplement superbe. Certains objets dans ce monde sont faits pour vibrer en diapason du spirit farer et de la lanternelle. J'ai entendu dire que ce monument a la force d'améliorer les pouvoirs de la lanternelle. Les deux emplacements s'y trouvant doivent être occupés. Je suis assez certaine que tu dois y déposer deux oboles pour l'activer. Mais pour obtenir des oboles, tu dois accueillir plus d'esprits à bord de ton bateau. Je suis sûre que tu vas trouver bientôt plus d'âmes perdues comme moi. Ah, intéressant. Double saut. I need. Lorsque dans les airs, appuie sur A à nouveau pour faire un double saut. Ok. Hello. Arrête de gratter à la porte. Let me in! Let me in! Bonne journée. Bah merci toi aussi. Et comme c'est beau, Fiasco. Je suis occupé, mademoiselle. Ok, ok, sorry. Ok, le mec est aussi occupé. Voilà, Théodore. Vas-y, jette un coup d'œil à ce qu'il vend. Oh, mais il est trop mignon! Acheter, vendre. Attends, je vais lui parler d'abord. Entre là, cliente potentielle. Bienvenue chez Raccoon Inc. Nous desservons Hummingbird depuis toujours. Tu as les lueurs, on a les biens. J'ai toutes les marchandises pour te faire dépenser ces difficiles. Ces difficilement acquises lueurs. Entre là. Acheter. Oh! Cette clé ouvre la porte attenante à l'échelle brisée à Hummingbird. What the fuck? Ça coûte 500 000 lueurs. Ah, graines de carottes, graines de navet, calcaire, bûche d'érable. Mais j'en ai que 720, je pue la mort. Ah.
Pourquoi je peux pas? Qu'est-ce que c'était que ça? Ces prix sont hors de contrôle. Je ne laisserai pas s'en sortir comme ça. Es-tu prête à me voir anéantir ce marchand? Non. Attends, j'ai pas vu les prix en fait, c'est pour ça. Ah oui, 7000! 6000, 7500, 4500, 5000. Ah oui, d'accord, effectivement. Mais, ok, Gwen, vas-y, je te laisse faire. Oui, je suis prêt. Bien, faisons cela. Théodore, je sais ce que tu fais ici. Tu devrais avoir honte, sale raton des ruelles. Les gens comme toi sont la raison pour laquelle nous avons deux majeurs. Quoi? Gwen, t'es violente, what the hell? Quoi? Madame, qu'est-ce que tout cela signifie? Mon amie ici, la nouvelle passeuse d'âme. Mais elle n'est pas une débutante, et moi non plus. Votre petite escroquerie ne fonctionnera pas avec nous. Mais je t'assure que mes pratiques commerciales sont assez honnêtes. Prends garde des loyales rarayées. Je ne tolérerai plus ce comportement une seconde de plus. Plus de manigance, plus de trahison. Que des prix justes. Sois donc honnête pour une fois. Et quand je te recroiserai, j'essaierai d'être plus sympathique. Si tu agis plus intelligemment. Tu piges? Mais... Oui. Oui, évidemment. Je te promets que j'ajusterai mes prix. Je t'en supplie, ne me gronde plus. Je t'offrirai même un rabais. Gwen, t'es vraiment violente, hein. Mais c'est pour ça que je t'aime bien, en fait. Hey, toi! Oui, toi! Ton ami a vraiment fait voir de toutes les couleurs à cet avare de marchand. Vous semblez toutes les deux prêtes à rejoindre le gang duo. Tu veux te joindre à nous, n'est-ce pas? Je peux le voir dans tes yeux. Je ne mentirai pas, c'est assez cool d'être là-haut. Ouais, toutes les meilleures personnes y trouvent. Mais ne t'excite pas trop, hein. Un idiot a brisé l'échelle. Tu devrais être capable de sauter à une hauteur inhumaine pour y arriver. J'imagine que tu peux utiliser les escaliers de cette maison. Mais un idiot a perdu la clé. Eh bien, en tout cas, à bientôt. Longue vie au gang duo. Ah, donc c'est ça la clé. Oui, il est sorti hier, Fiasco. Pendant le Nintendo Indie Direct, ils ont dit « Oh, Cyril Farrer, il va sortir sur Switch plus tard dans la journée !» Et en fait, du coup, il était dispo plus tard dans la journée sur toutes les plateformes. Soso, le jeu est trop bien. C'est exactement le jeu que tu kiffes ta mère. Mais vraiment. Genre, tu vas kiffer, genre, vraiment. Oh, laisse-moi deviner, j'ai quelques dons de voyance, tu sais. Ton nom est Marie. Ou Marguerite. C'est Missy. Attends, non. Esh. Ne me l'idée pas, c'est... Oh, crotte. Je le trouverai bien. Un jour. Ok. Je peux lui faire de câlin. Son humeur, ok. À la fin. Et bah, je vais te donner des moules. Est-ce que c'est un mollusque? Oh non. Non. Pas pour moi. Désolé. Ah, donc elle aime n'importe quoi contenant des mollusques fruits. Ok. Ok, donc des légumes. Merci, j'adore. Ok, super. Je pense au Epic Game Store alors. Je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, vraiment, tu vas kiffer ta mère, j'en suis sûr. Genre, c'est trop bien. Et puis le jeu, il est trop beau, genre, comme tu peux voir, what the hell, les animations et tout, les musiques. Un excellent vendeur a toujours ce dont le client a le besoin. Alors, mariage cliente, que plus cher pour toi. Ah oui, ces prix sont nettement plus raisonnables. Même la clé. Why not sur Steam? Bah, parce que, à ce qui paraît, Steam donne moins d'argent aux créateurs. Que sur Epic, on dirait Jozo tellement c'est beau. Ah oui, ok, le mec est à ce point-là émerveillé. Graines de carotte, oui. Graines de caféier, oui. Bah, je prends plein de chaque. Oh, il est trop mignon. Et puis, regarde ce qu'on peut faire. Ah non, mais attends, ici on voit pas. Attends. Il faut que je te montre en fait la meilleure feature de gameplay du jeu vidéo. Il fait un bon endroit. Ici c'est bien. Regarde, t'es prêt?
Est-ce que t'es prêt, Soso? Mais pas de spoil. Mais c'est pas un spoil! C'est une animation. Soso! Même Fiasco, il veut, alors je lui ai déjà montré un milliard de fois. Si tu veux pas, je le fais pas. Du coup, c'est le jour. Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que les habitants... Bonne journée. Bah, bonne journée aussi. JPP. Bon, bah, tu verras par toi-même, ce soir. Fantastique! Si tu as tout ce dont tu as besoin, je vais y aller. Reste aussi le temps que tu veux ici. Rejoins-nous, ok. Ok. Bah, je vais faire un petit tour. Ah bah le toit est vite terminé. What the hell? C'est quoi? Pourquoi il y a un mouton géant là? Ok, le mec veut pas que je lui montre la meilleure feature de gameplay, enfin de... la meilleure animation plutôt. Alors en fait quand tu vas la voir tu vas dire ah oh, c'est tout. Je suis désolé, je suis un peu à la course. Okay. Ouais, j'espère qu'en prochaine partie... Oh non. Non, 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 non. Okay. J'ai pas un avoir en fait du coup ici. Ok, on va repartir j'imagine. Ok, hello Gwen. Tu avais déjà pensé celle-là? Tu as le pouce aussi vert que ton chapeau. Ce bateau deviendra bientôt une douillette ferme flottante. N'oublie pas d'arroser les plantes de temps en temps. Et ne compte pas sur moi pour ça. Ok, ma connaissance du jardinage est aussi faible que l'était l'empathie de mon père. Tu devras trouver des meilleurs mentors que moi. Ce qui me rappelle, je crois qu'il est temps pour toi de trouver des nouvelles personnes. Pas que je n'aime pas l'idée de traverser les ondes seule avec toi, mais tu es la Spirit Farer, et la Spirit Farer trouve des esprits. Et oui, elle les aide à remplir leurs derniers vœux, aussi mondains qu'ils peuvent l'être. J'ai entendu parler d'un endroit près d'ici où quelqu'un aurait besoin de ton aide. Et je te gage que tu l'aimeras si c'est qui je pense. Allons, levons le voile. Non, Gwen, s'il te plaît, pars pas. J'ai l'impression qu'elle va bientôt nous quitter en fait. Ça me rend triste. Ah oui, ça a poussé. Yeah. Par contre, Gwen, elle est dans la cuisine. Madame, what the hell? Ah non, ok, elle est là. Ok, j'ai rien cuisiné les autres, en fait. Là. Il y a de l'orage ici, j'aime pas ça. Barkensheim Creek. Wow, mais c'est quoi ces noms là? Barkensheim Shame. Ok, let's go. Bah, je sais pas, parce qu'en tout cas, c'est mon nouvel objectif. Donc, j'imagine qu'ils vont nous apprendre des trucs sur les tempêtes. Ah, la météo change. Oh, je trouve que du hareng là, wesh. D'accord, il y a des vieux souliers. Super. J'ai peur. Gwen. Gwen. T'es où, Gwen? MDR exactement. Oh, cette pluie. Est-ce que ça cessera un jour? Ok. Je reste pas. Mais ce soir, je comprends. Donc, ça spoil. Mais tu vas vraiment kiffer, hein, j'en suis sûr.
Sunshine Creek. Ok. Gwen, tu viens? Non, tu viens pas. Bon, moi j'y vais tout seul alors. Oh, quand elle pagaille, il y a le. Et Daffodil qui est sur son épaule. C'est trop mignon. Yeah, il y a la meilleure animation. Esprit ou âme, plus une âme, un esprit. Hey, tu vois, on peut voir sa forme au-dessus. On a une sorte de grenouille. Sa vraie forme. Pourquoi on a un truc dans l'eau là? Oh, tu vas me dire. Ah. Oh, très bien. Tu es là. Écoute, je viens d'échapper. Hein? Je viens d'échapper un citron dans l'étang. Mes doigts étaient tout collants. Ça a juste glissé. Comment? C'est une bonne question. J'ai mangé des baies toute la journée. Regarde, regarde mes mains, je te le jure. Je faisais des expériences. Je voulais ajuster un peu. Ajouter un peu d'agrumes à ces fruits sauvages. J'arrive pas à lire, what the hell. Mais là, ce ne sont que des baies sans saveur. Sauf si. Il est juste ici. Dans l'eau. Je le ferai moi-même, mais je dois m'occuper de ces petits fruits. Ok. And so. Attends, j'ai pas compris ce que je devais faire là. Trouver un passé, oui. Ah, je peux. Attends, ouais, je peux trouver un passager à Hummingbird. Retrouve le citron perdu de ton nouvel ami. Cet homme étrange veut que je saute dans un étang pour un citron. Citron pour être au fond là. Mais oui, mais. Ah! Oh, je crois que j'ai compris. Je crois que j'ai compris, mais ça serait bizarre. Enfin. Pas bizarre, mais. Je pense qu'il faut que d'abord je trouve un nouvel habitant à... dans la ville d'avant. Comme ça j'ai un deuxième obol, comme ça j'ai double saut, et comme ça en faisant le double saut j'ai. Je peux atterrir plus profondément dans l'eau pour chercher le citron. Ou alors j'ai de la merde et je trouve pas la touche, mais j'essaie toutes les touches en fait là. Bon.
que fois c'est tout dans l'eau. Bah écoute, je me le demande. Demande à cet esprit. Ok. Bah je vais retourner dans l'autre ville. Mais en fait, pêcher c'est qu'ici. Et puis tu vois, je dois appuyer sur X pour interagir en fait. C'est ça le problème. Non mais je vais essayer. B. Ah, il y a plein de trucs ici. Ça j'irai après. Oh putain, toutes les caisses sont réapparues. Enfin toutes, pas toutes, mais. Je vais retourner là. Mais j'ai pas tout en fait. Est-ce que je peux dormir comme ça fait passer le temps? Oui, je peux. Sinon, si c'est pas ça, si c'est pas ça, et bah je fais un truc mal, mais quoi, je ne sais pas. Ah, ça sert à ça les piliers, genre c'est une sorte de phare en fait, pour pas se perdre. Ah, il sert à se réveiller, Gwen. Les tempêtes et les éclairs sont pas dangereux en fait. Bah pour l'instant non. On verra peut-être plus tard. J'ai ce drôle de sentiment. J'ai en fait assez faim. T'as faim. Elle aime autre chose que de l'aliment réconfortant, mais quoi? Et elle aime. Ah, il faut du café là. Je peux récolter. Ah, je peux récolter. Wow, la meuf a une super faux. Oh, la meuf, c'est ma cat. C'est ma cat solitaire. Son bébé. Ok, bah du coup, je vais mettre... Et bah, tu l'as. Du maïs. Et du café. Vous avez vu ce qui arrive à Huawei à cause de Trump? Non. Qu'est-ce qui se passe? Mince. Oula, c'est vite cuit le café. Hein? What? Du popcorn? Attends. Je suis beurré ou... T'as mon PC, c'est un Huawei en plus. Café noir. Ah ok, c'est bon. Gwen, j'ai un truc pour toi. Tu vas kiffer ta rum. J'ai un succès, au moins un heureux. Alors ça, c'est une sacrée bonne tasse de café. J'ai bu je ne sais plus combien de tasses de café dans ma vie, mais celle-là, c'est la meilleure. Merci beaucoup, vraiment, Stella. Oh, elle est oméga heureuse. Yay. A manger son repas préféré. Yay. Il a annulé la licence temporaire pour qu'il utilise Google. Quoi? Et donc, enfin... Maintenant, ils peuvent plus se servir des trucs Google, sauf les anciens modèles, plus que les mâches
seront pas disponibles. What the fuck? Qu'est-ce que tu fais la Gwen? Oh, attends. Je cherche de la fibre. Je te fais un câlin. Oh. Je me sens beaucoup mieux. Ah mais c'est pour les téléphones du coup. C'est pour Android quoi. Je suis pas sûr. Ok. Bah. RT. Putain mais en plus du coup ça continue là-bas mais je peux pas monter. Il faut la clé. Il faut 5000, donc ça veut dire qu'il faut que j'aille battre des méduses. Ah, bon bah c'était pas là. Non. J'oublie à chaque fois que c'est lui. Bomba. J'essaie de battre des méduses, hein. Le CD, tu vois, c'est ça, Fiasco dont je te parlais, le pont Omega. On va aller là, puis ensuite on va aller battre des méduses. Hein. Enfin, battre des méduses. Hein. Toucher des méduses. J'ai du fil ici. Je voulais l'utiliser pour filer du tissu pour toi, mais je ne peux te le donner maintenant. Veux-tu ce fil? Et voilà. Fil de lin. Bah merci en fait, mais why? La robustesse du lin résiste aux usages les plus intensifs. Ok. Ah. C'est quoi ça? Attends, stop. On se voit dans Chiro. Pourquoi ça me pense à Chiro? Sois venu me parler. Comme je le disais plus tôt, nous avons besoin de plus de gens à bord, de nouveaux passagers. Il doit bien y avoir quelques personnes dans les alentours, perdues comme je l'étais. Eh bien, pas tout à fait comme moi. Je sais certaines choses que la plupart ignorent. C'est probablement pourquoi père se méfiait toujours de moi et que maman me donnait du fil à retordre. Ok, mais en fait, tu peux m'indiquer where, madame. Attendez, je vais me chercher à manger, j'en ai pour 10 secondes. Ok. Du coup,
qu'en fait tu peux assez facilement récupérer des graines parce que t'en trouves là où il y a des caisses, donc tu peux essayer d'économiser entre guillemets pour acheter des gros trucs. Attends, mais par contre juste le truc lumineux, ça me sert à quoi déjà? À construire, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça sert à construire, oui. Donc il faut que j'économise quand même. Je l'ai senti. La vente d'iPhone à Chine Trump. Bah j'imagine. Mais c'est bizarre parce que, enfin, d'où déjà il parle de la Chine en fait. Oh putain. Méduse. Et ils reviennent encore. Ah, je me sens pas très bien. Vas-y, j'ai foi en toi. Je t'observerai de l'intérieur. N'aie pas peur, Stella. Ils reviendront extrêmement expressément. Oh là là, mais j'arrive pas à parler, mais c'est incroyable. Je me déteste. La gelée, elle est en haut. Je peux. Je vais pas réussir à la voir. Une grosse. Et deux grosses. Tu peux sortir Gwen. Faut que je mange, j'ai trop faim. Des tiges rugueuses provenant de plans de lin à type en fait du fil de lin avec le métier à tisser. Ok, donc là j'en ai 1025. Ok, ça va être compliqué. Des gens qui avaient testé le jeu, enfin des joueurs, pas moi journaliste, juste des joueurs comme ça, qui disaient que
Parce que par contre, ça faisait incroyablement chier. Bah, je trouve pas en fait, what the fuck. C'est pas un Call of, hein, c'est sûr, mais. C'est pas un jeu d'action, c'est pas Uncharted ou quoi que ce soit, mais. Je peux faire des. Je peux aller super vite comme ça, what the fuck. C'est juste pas. C'est un genre de jeu bien particulier. Colis précieux. Bah, c'est des jeux c'est des gens qui jouent à des jeux intenses. Oui, non, parce que regarde. Par exemple, Soso, il kiffe genre Stardew Valley machin et tout, alors qu'il a fait tous les Dark Souls et tout. Donc tu vois, c'est juste un genre qui doit pas plaire au mec, en fait, je pense. Je vais essayer d'aller là parce qu'ils me disent nouveau, oui, je veux bien, du coup j'y vais. Oui, mais. Stardew Valley, c'est pas intense. Animal Crossing, c'est pas intense. Tu vois? Est-ce que tu vois où je vais en venir, Gia? Oh putain, je peux faire des mouvements de fou là. Putain. Ne soyez pas coincé du cul pour jouer au jeu. Bah malheureusement il y a certains de joueurs, même pas mal de joueurs, qui pensent que juste parce que tu contrôles une femme ou juste parce que je sais pas moi, c'est coloré ou juste parce que j'en sais rien moi, juste parce qu'il y a un truc joyeux ou quoi que ce soit, c'est un jeu pour femmes ou c'est un jeu pas fait pour eux parce que ça n'est pas viril, tu vois. Et c'est triste. Parce que les gens ils ont peur d'avoir honte parce qu'ils jouent à ce jeu, tu vois, parce que ça fait pas pam pam boum boum, y a pas du sang partout. Genre, je suis peut-être dans l'abus, hein. Mais je me vois pas, par exemple, un mec qui joue à des jeux genre qu'à Call of et tout, ce genre de truc, et qui joue à ce jeu, je sais pas comment dire. Genre, tu vois, là je suis en mode oh my god, c'est fucking trop mignon, tu vois, genre c'est vraiment trop mignon. Et genre personne il va pas dire c'est trop mignon, il va dire oh enfin c'est bien. Alors qu'en fait au fond il est en mode oh, c'est trop mignon, putain j'ai envie de le dire mais je peux pas parce que sinon je vais perdre ma virilité, tu vois. Ok, je suis peut-être dans l'abus hein, mais c'est un peu le ressenti que j'ai des gens. Moi j'aurais honte de dire que je joue à Call of. Mais oui, Fiasco, je suis MDR hein. C'est trop ça en fait, c'est l'inverse. Hello Gwen. Une collation sera appréciée en ce moment. Ok, bah je vais te donner du popcorn. Oh merci Stella. J'aime tellement ces foutus aliments réconfortants. Hello Ryan. Bah dis-toi que c'est souvent le cas pour. Mais oui je sais, c'est pour ça que je fais la remarque, parce que c'est souvent comme ça. J'ai l'impression qu'en fait les gens ils ont peur d'exprimer un peu genre les sentiments qu'ils ont parce que ils ont peur de se faire juger quoi. Je m'en fous, bah si je trouve un truc mignon je le dis. C'est pas parce que c'est mignon que voilà, c'est forcément pour meuf ou quoi que ce soit. Fuck. Mais le pire je crois que c'est les gens qui ne veulent pas jouer à un jeu parce que tu contrôles une femme, tu vois. Genre ça moi je trouve ça aberrant. Vraiment.
juste parce que tu contrôles une personne qui a un vagin et non pas un pénis. La personne n'a pas envie d'y jouer, quoi. Après, c'est pas une stigmatisation, hein. Y a plein de personnes qui trouvent ça mignon aussi, alors qu'ils jouent à des jeux violents, etc. et tout. Et... Ils ont des sentiments, quoi, mais. Mais Fiasco, je te jure que si. Je te promets que si. Tous les gens qui voulaient pas jouer. Putain, par contre, à chaque fois, je voulais te quitter le jeu pour afficher vos messages. Tous les gens qui ont pas voulu jouer à The Last of Us 2 au début parce que tu contrôlais Ellie, parce que c'était une femme, parce que c'était pas Joël, gnagnagna. Découvert Bête de Greenhalton. Mais oui, parce que. Genre, je te promets. Tu vas sur tous les forums, alors tous les forums genre jeuxvideo.com, tu vois, genre PTDR, c'est pas forcément une référence, mais je parle d'autres personnes aussi. En général, je te jure, les gens, c'est des misogynes, quoi. C'est incroyable. Incroyable. Bah là, c'est parce que c'est Joël. Ah non, mais quand même. Tu t'es attaché à Ellie aussi. C'est pas pareil, tu devrais plus être contente du fait de contrôler Ellie parce que voilà, tu t'es super attaché à elle et tout, genre je sais pas. Qui? Julien Rochely? Qu'est-ce que. Je le connais pas, il dit quoi lui? Putain, il pleut, j'ai pas envie qu'il pleuve en visitant l'île en fait. C'est nouveau ça. Un morceau de malachite non raffiné, une fonderie pourrait la transformer en des lingots de cuivre. Ok. Hello. Hey. Je suis venu ici par pas de ces arbres. Mais j'ai oublié ma hache. Je ne veux pas commencer à utiliser la hache de quelqu'un d'autre. Ce serait étrange. J'aime la sensation qui me donne ma hache. Elle est robuste, ça me calme. Oh, je m'ennuie de cette hache. J'ai passé mon temps à écrire des lettres et à en jeter dans l'eau. J'écris de la poésie. Elle n'est pas très bonne, mais je m'améliore. Avec un peu de chance, personne ne trouvera cette terrible poésie. Ok. J'ai une hache, monsieur. Et sinon, il y a des haches en fait derrière toi. Je vois pas. T'as écrit un message avant, je le vois pas. Mais je sais pas ce que je dois faire là. Vraiment. Hein. Ah mais je peux plonger, mais je ne savais pas. Oh my god, mais le jeu me l'a pas dit en fait. En faisant joystick vers le bas et ah je peux plonger. Oh my god. Bon, j'aurais pu récupérer le citron depuis longtemps. Ah je me déteste. Pourquoi est-ce que j'ai oublié ma hache? Je suis perdu sans elle. Putain, donc c'est-à-dire tous les trucs scintillants que j'ai vus en ramassant des cages, j'aurais pu les prendre. Fuck. Il a plus qu'à jouer ma journée, n'est-ce pas? Ouais.
Non. Tu vois, ça c'est trop mignon. Je le sens en fait. Par ici. Go. D'accord. La meuf me dit des indices en fait, mais je sais. Ah, je peux être récolté des trucs. Oui. C'est loin de pousser le lin. Ok, mais oui, il y a plein de trucs qui scintillent. À l'endroit où il y avait le mec là. Attends, je suis où? Ah, est-ce que ça veut dire que je vais me taper les méduses? Oh, attends, c'est des méduses niveau 3, wesh. J'ai pas de niveau. En fait, je sais pas ce que c'est la différence. Bon, on va essayer. Je sais pas si je peux mourir entre guillemets. Planter des graines, tiens. Graines de café et graines de café encore. Boum. Pardon. Le pétanque est un mollusque de taille moyenne, c'est quoi? Non. Non! Ça va tout popcorn, mais je voulais pas en fait. Oh putain, et les méduses. Oh shit. Oh shit. Je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire qu'il y en a plus? Bon, par contre, il y a toutes les gelées scintillantes en haut, RT. J'ai peut-être grimpé. Ah, mais elles sont tout en haut. Mais elle va trop vite! Je pense que même il y a une autre compétence, regarde comme c'est haut, mais avec le double saut je pourrais pas là. D'avoir une autre compétence qui me permet d'aller encore plus. C'est tout?
Ok. Enfin, mais putain, mais c'est une... La meuf, elle fait que... Que bouffer ou quoi? T'as rien. Bon, je me suis pas fait beaucoup de thunes, du coup. Comme c'était tout en haut... C'est une grosse... What the fuck? Fiasco. Ok, ça sentit ici. Et c'est tout. Voilà, stop le bateau. Ouh, c'est quoi ça? Quartz. Ok, du coup je peux enfin retourner là où il y a le mec avec le citron là. Oui, c'est écrit esprit. D'accord. Alors le quartz, ça sert à quoi? Robuste scintillant peut être défait en poudre de silice à l'aide du concasseur. Mais what? Il a l'air d'avoir tellement de trucs après. What the fuck? Pêcher un peu parce que j'ai 9 harengs, je vais quand même essayer d'en repêcher encore un petit peu histoire d'être sûr. Mais j'aimerais bien qu'il y ait d'autres poissons là. Wesh. Oh. Ah ok, alors what, pour moi c'était totalement autre chose, mais c'était un hareng. Bah maybe t'auras un bateau plus beau pour eux, mais tu pourras prendre des... Tu pourras prendre les pieuvres. Les pieuvres? Quelle pieuvre? J'ai loupé un chapitre? Ah! Maybe. Oui, c'est même sûr en fait. Mais oui, bah, oui, t'as raison. Parce qu'on peut, en construisant, on peut créer des étages. Si je voudrais, je pourrais même le faire parce que, genre, j'aurais juste à mettre la maison de Gwen en haut, peut-être. Je sais pas si ça marche. Pour essayer de faire vraiment une sorte de grosse plateforme en hauteur. J'y ai pas pensé. Mais parce que t'es intelligent, what the fuck? C'est abusé. Ok. Hello. C'est bon, j'ai trouvé la touche, monsieur. Je me dis. Suis le plus vieux. Seul, le plus vieux aurait compris ma phrase. Ok, j'y allais. J'ai seulement besoin d'un mouchoir ou de quelque chose comme ça. Je ne veux pas avoir de jus de bête partout. Peu importe. Tiens. Tiens, ce citron pour moi. Mais ne le presse pas. Attends une minute. Tu peux peut-être m'aider. Il n'y a plus de nourriture sur cette île. Mon estomac est toujours vide. Je pourrais peut-être vous aider à bord du bateau. Pour cuisiner, pêcher et faire de la construction. Je n'ai pas mes épices et mes outils, mais je vais m'organiser. N'y pense pas trop. Monte en bord de ton bateau. Yeah. Il ressemble à quoi? Il ressemble à quoi? C'est quoi comme animal? Oh.
Je suis certain que tu auras besoin de quelqu'un qui peut faire des réparations sur ton bateau à un moment ou à un autre. Bien sûr. Est-ce que c'est une sorte de grosse grenouille? Attends, je vais arroser d'abord mes plantes. Ah ok, je peux pas. Hello Gwen, je peux même pas parler à Gwen. Okay. Oh waouh, ce bateau est fantastique. Mais attends, canaille. Mais attends, canaille. Ce qui s'en vient, c'est du lourd. Prépare-toi pour la réunion de famille. C'est vraiment une grenouille. Oh le sang. On dirait Fiasco. C'est moi, Stella. Ton oncle, Atul. What? Surprise! Bah un peu, oui. Et agréablement, j'espère. Je suis sur cette île depuis un moment. J'ai hâte de voir les lieux et la mer en ta compagnie. J'étais seule avec mes pensées. Maintenant, il y a toi, petite. Levons les voiles vers une grande aventure. En avant toute! Attends une seconde. Est-ce que... c'est... un... qu'est-ce que... j'aime bien comment il se déplace. Je le savais. C'est une super flot 2000. C'est un Nimbus 2000, Harry. Je trouve son animation, elle est trop chou, what the fuck. Je ne l'ai jamais vu de mes yeux. Je n'ai entendu que des rumeurs. Il paraît que tu peux attraper les poissons les plus gros et les plus brillants. Waouh, Stella. Tu sais comment te faire plaisir. Ah, oh, JPP avec ses pouces en l'air. Attends, il faut que je screen, ça ferait un bon truc. Je suis MDR. Voilà. Mais, attends une seconde. Il te manque quelques boulons. Laisse-moi deviner. Tu ne pêches que des ordures. Et bien maintenant. Et bien, plus maintenant. Tu verras immédiatement la différence. Et celle-là devant moi. Bye bye, Léaran. Pas de harangue, par pitié, pas de harangue. What? Quoi? Pourquoi ma ligne elle s'est cassée? Je comprends pas ce que je dois faire. Mais là elle change de couleur alors que je... je comprends pas. Elle change de couleur alors que je... je touche pas la touche. D'un coup, plus compliqué, hein? Un calmar. Ok. Beau travail, petite. Ils n'ont aucune chance. Tu ne perds pas de temps. C'est ce qui fait de toi une pro. Mais cette pêche de champion m'a bien énervé. Ce qui me rappelle, j'avais cette chose brillante au fond de mes poches sur l'île. Je n'ai aucune idée à quoi elle sert. Tu peux peut-être la prendre. La garder en sécurité, je suppose. Oh, c'est une obole! Oh misère, je dois aller prendre de l'air. Et oh, oh, et en passant, tu es sûrement curieuse et tu en as sûrement déjà fait l'expérience, mais oui, l'eau est très salée. Bon, je m'en vais me balader dans les environs. Tu peux pêcher autant que le cœur t'en dit. Oh, yeah, j'ai une obole. Je peux avoir le double saut. Yeah. Ça devient très chaud en fait dans cette maison. J'ai pas envie, forcément envie d'y aller. L'accouplement d'un cerf et d'un crapaud, non merci en fait. Oh, je peux récupérer le lin. Yeah. Du coup maintenant je vais mettre... Mais je remets du lin dessus.
Par contre, ça prend longtemps à pousser, what the fuck. Attends, du coup, on est d'accord que Atul, c'est son oncle. Mais du coup, Gwen, c'est qui pour elle? What the hell? Ah, mais il dorme. Putain, je me disais. Pourquoi il est là-bas? J'ai peut-être dormi. Ah non, mais c'est le matin. Bon, bah, on se réveille en fait. Jetterais tu un coup d'œil à ça? Tu as deux oboles. Te rappelles-tu du sanctuaire de Hummingbird? J'essaierai de les placer là-bas. Si nous sommes chanceuses, cela pourrait avoir un effet formidable. Si nous ne le sommes pas, tu auras perdu ton temps. Tu devrais aller voir. Yes. Bonjour petite. Oh putain, c'est maintenant, il lui a géré, c'est vrai. Oh, attends, je vois son animation du câlin. Attends, Gwen, tu peux partir? Parce que du coup, on ne voit pas. Bon. Je dois voir ce qu'il aime. Répare des bâtiments sur le bateau. Aliment favori, bah, du coup, on sait pas. Il doit sûrement aimer les poissons. C'est un crapaud. Tiens, un poisson grillé. Oh là là! Ce que j'aime la nourriture! Il est trop mignon! Wesh! N'arrête pas de m'en amener, j'en aurai jamais assez. Il aime tout. Oh le sang! Il n'aime pas rien. Mais c'est le meilleur! Oh my god! Allez, mon favori, on sait pas par contre. Mais oui, genre what the fuck, c'est le mode easy en fait. Bah du coup je vais mettre un petit céphalopode reconnu pour son goût polyvalent et son grand frère hostile. Bah j'ai de cuisiner du coup. Ouah c'est long à cuire derrière. Il peut sortir, j'ai envie de lui faire un câlin. Ouais. Ah oh attends. C'était bien, n'est-ce pas, ma chère nièce préférée? Oh, oh il pleurait. Ok. Du coup, la ville était... là. Ah, je suis content, il faut qu'on s'arrête petit à petit à reprendre. Construire. Ah mais oui, il faut que je lui construise une maison. Non? Je comprends pas pourquoi... Alors je veux bien qu'ils partagent leur maison, hein, ça me dérange pas, mais du coup ça sert à quoi en fait? D'avoir plusieurs trucs. Oula, qu'est-ce qu'il y a? Que j'appelle une tempête. Personne ne laisserait son ami se faire frapper par la foudre. Mais je crois que tu devrais l'essayer. Tu as l'éternel, ça te protégera. Il y aura des étincelles où l'éclair frappera court vers elle. J'ai oublié. As-tu oublié des bouteilles vides? Si tu te fais frapper par la foudre avec une bouteille vide, tu peux capturer l'éclair dans la bouteille. C'est pas fou ça? Ce monde. Un éclair en bouteille, une ressource bien utile, arrive donc bien équipé. Ok. Pour commencer, voici quelques bouteilles pour toi. Mais ne t'inquiète pas, c'est facile d'en trouver. Prépare-toi à l'aventure la plus électrisante de ta vie. What the fuck? Oh le sang! C'est trop bien!
Oh merci mon dieu. Je me demandais si tu résisterais plus d'une seconde là-bas. Tu as donné une de ces fausses à ton vieil oncle Atoul. As-tu entendu ce grondement? Quelle aventure! C'était trop chouette lorsque tu capturais ces éclairs partout dans le bateau. Merci d'être une capitaine rêvée. What the fuck? Ça sent bien. Donc ça, je pourrais les vendre en fait. Donc les babioles, c'est ce qu'ils ont. Okay. Par contre, le truc en bouteille... Un coup de ciel emprisonné. Ok. J'ai mon plat qui est prêt. Je sais pas, j'y ai. Brochette de caméra. Ok, on arrive en ville. Dites enfin toi. Mais t'aimes pas tout ce qui est mollusque et tout. Prends du popcorn en fait. Ouais, c'est vrai que. Bon, bah t'auras rien pour l'instant. C'est quoi, je me tire en ville. Putain, la meuf elle est compliquée. Waouh. Yes. Et puis même l'effet de scintillement là avec les, je sais pas comment dire, mais oh, attends, est-ce que du coup je peux monter à l'échelle? Oh, je peux. Oh yes, avec l'effet de un peu arc-en-ciel autour là, c'est vraiment genre faisceau là, c'est trop beau. Beau travail l'ami. Tu as réussi, bien joué, tu as réussi à monter ici. J'ai menti plutôt, ce n'est pas si chouette ici en haut. Mais comme tu l'as, ça devrait s'améliorer. Je n'ai pas de carte de membre pour toi. Mais tu seras une membre honoraire de la gang du haut. Je te montrerai bien la poignée de main secrète. Mais je ne sais pas à quoi tes mains ont touché. Ok. Du coup, il y a le mouton. Et du coup, c'est fermé à clé UFC. Je peux le mouton. Mais putain, mais du coup, il y a d'avoir un milliard de secrets. C'est le mouton. Est-ce que je peux le caresser? Non, je peux pas. Je peux juste... Je peux rien faire avec lui, genre vraiment? Ok. Oui, jeune personne. Dois-je comprendre que tu es occupé? Bien sûr, tu es occupé. Attends une seconde. Tu n'as pas une cuisine entièrement équipée? Reviens lorsque ce sera le cas. J'ai toute une offre pour toi. Ah. Ok, intéressant. Il y a un truc en haut. Merde. Oh. Graine de lin. Je suis bébé du mouton. What the fuck. Ma sœur me demande toujours de l'argent. Comment refuser sans dire non? Je devrais peut-être demander à quelqu'un de me voler. Je ne veux pas prêter de l'argent à ma sœur. Ok. Longue vie au gang duo. D'en haut. Yeah. Fortnite. Non en fait. Oh! Animations qui font la différence, je trouve. Oh, lui, c'est un esprit. Ça se voit. Et au-dessus de sa tête, là, on voit son vrai corps. Quoi? Oh, tu m'as donné une de ces frousses. Ce chat,
Il me dit quelque chose. Daffodil ? Est-ce que c'est toi ? Oh oui, oui, c'est toi ! Toujours aussi soyeuse, hein ? Alors ça veut dire que... Stella, c'est toi ? Quelle fantastique tournée des événements. Je suis sûr que c'est sa grand-mère. Est-ce que c'est ton bateau là-bas en mer ? Je vois, tu es encore venu me sauver. Mais attends, pas si vite. Cette fois-ci, c'est moi qui enseigne. Tu peux compter sur moi. Allons-y alors. Nous avons quelques leçons à réviser. What ? Leçon. Bon, voilà la maison, on va passer. Waouh, je peux aller là ? Ah, je peux pas. Ah, si, je peux. Okay. Est-ce que je peux aller plus loin que ça? Non. Ok, bah, go, on en a. Est-ce que par contre, je peux ouvrir la map directement ici ou pas? Trouve un passager. Ok, donc ça, je vais avancer dans la quête. Objectif en cours, assembler les ressources, puis retourner au chantier naval d'Albert pour ajouter cette mauvaise boîte aux lettres à ton bateau. Plonge d'herbe subite, fils de l'un. Les lots intrépides. Rassembler des ressources puis retourner. Pour avoir un plus gros bateau. Oh, je peux avoir un plus gros bateau, j'ai toutes les lueurs qu'il faut. Pareil pour ça. Pour aimer la table à dessin. Oh, le sang, faut que j'aille. Au chantier naval. Par contre, ce mouton m'intrigue, hein, vraiment. Lui, il a rien à me donner en fait. Tu es Stella, si je me rappelle bien. Je n'oublie jamais un visage spécialement s'il transporte des brillantes lueurs. Ne sois pas timide, regarde si tu veux. Alors, moi, je vais de vendre mes broutilles. Ah, je peux pas? God. Du coup, je peux plus interagir avec. Hello. Du coup, c'est quoi là? On dirait une sorte de serpent. Merci mon petit. Oh Stella, tout cet air, ce grand espace. Oui, je sens que je pourrais croître ici. Regarde-moi, je fleuris déjà. Je suis sûr que c'est sa grand-mère. C'est un serpent, on est d'accord. Oh, sortir de sa chrysalide, quel sentiment. Merci Stella. Mais t'es qui en fait? T'es ma grand-mère, t'es mon grand-père. Attends, d'abord, laisse-moi récolter du café. Et j'arrive. C'était encore 4. J'ai tellement de café. What the fuck? Merde, j'ai oublié d'arroser. Mais je m'en donne à Stella en fait. Oh, à Stella, à Gwen. Je suis bête, la meuf a faim, je vais lui donner du café. Elle sera heureuse, par contre il faut que j'en fasse. J'en faire 3. Bon, je vais attendre, c'est rapide. Non. Je voulais caresser la faute. Petite. Oui.
Elle est trop gentille, elle me donne plein de trucs en revanche. Alors, du café pour la demoiselle. Ok, elle est rose. Maintenant, à propos du jardin. Oh! Oh, Stella, tu ne trouves pas que ton bateau est un peu triste? Disons qu'il manque un peu de verdure. Imagine, un petit jardin qui pourrait s'y servir de classe. De quoi? De classe? Ça fait un moment que je pensais à l'enseignement. Le cours s'intitulera... Ah oui, une classe. Prendre soin des plantes de A à Lisé. La meuf, elle s'appelle Alizé. Lol. Ouais, bon, ça ne soit pas si bien quand on dit tout. Je dois peut-être travailler encore un peu plus l'intitulé. Mais du coup, t'es qui en fait? Ah non, elle s'appelle Summer. Ok. Oh, je fais un câlin à un serpent. Oh, tu es gentil. Est-ce que tu aimes les framboises? Oh, merci, mais je n'ai pas faim. Ok. Je vais dormir. C'est trop paisible comme jeu. Oh my god. Ok. Du coup, il faut que je me rende. Je peux vraiment faire un jardin? Ah oui, je peux. Mes jardins, c'est bizarre en bas, donc ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer. Oula! Non, 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 non! Jardin. Ah, mais non, c'est trop gros. Ah bah non. Il faut que j'agrandisse mon bateau. Je vais agrandir mon bateau. Je vais retourner au chantier naval. Mais d'abord, je vais récupérer des kiasses. Message dans une bouteille? Quoi? Une bouteille avec un message dedans. Qu'est-ce que ça peut bien être? Ah, c'est peut-être la poésie du mec là. Ode à la hache. Mais oui, un bûcheron sans hache pleure et sanglote, mais l'arbre ne sent pas la blessure. Je vieillirai, dit-il. Ok. Tout. Ouais, y a plein de trucs qui brillent. Des ordures des mers. Ok. Ok, heureux parce qu'il y a des ordures. Du calcaire. Saute vite à l'eau. Il y a une épave. Je suis certain qu'il y trouvera des matériaux utiles. Oh! Qu'est-ce que. Mon dieu, comme le paysage est beau ici. La mer, le soleil, la brise sur ma peau. C'est parfait. Je suis heureux d'être en train de recevoir.
avec toi, ma nièce. J'aimerais que ta tante vive te voit en ce moment. Dirigeant ton propre bateau, aidant ses esprits errants, ça réchauffe vraiment. Je suis content que tu me récupères sur cette île. J'ai l'air d'être le passager le moins embarrassant du bateau, sauf pour la nourriture. Je n'arrêterai jamais de te demander de dévisser sur eux. Donc en fait, toute sa famille est morte. Genre vraiment en fait. Moi je le prends comme ça. C'est horrible. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là, mais c'est pas possible. Si j'avais assez faim. Oh, c'est étrange comment il mange. Ok, donc il aime pas. Enfin, il est ni chaud ni froid. Enfin, elle est ni chaud ni froid. Pour les framboises. Yopo, ça va? Tu te souviens de moi? C'est Théo Tricard. Je passe avant sur les lèvres de Soso. Enfin, toujours, mais voilà. Alors salut, alors non, je me rappelle pas forcément, mais sûrement, oui. Welcome. Welcome, welcome. Des mousques vapeur. Oui. Donc, point de base. Navale, mais au revoir le Fifi, à tout à l'heure. Du coup, comment ça se passe quand quelqu'un, quand un des passagers doit partir? Genre, est-ce que t'as terminé toutes ces quêtes? Je pense que je vais pas tarder, GL. Je pense que je vais ramasser les quais, je vais agrandir le bateau. Et je pense que je vais arrêter. Parce que ça fait déjà 2h35 en fait. Mais j'avoue, c'est compliqué d'arrêter en fait ce jeu. What the fuck? Je pensais vraiment pas. Je pensais aimer, mais pas autant en fait. Parce que les trailers, déjà rien que l'annonce du jeu, je sais plus quand est-ce que ça date, m'avait grave donné envie déjà de base. Et genre, je crois que j'avais regardé l'autre trailer d'après, mais après j'avais arrêté pour pas trop me spoil. Et je savais que j'allais aimer, mais en fait, pas à ce point. De trucs jaunes, non, j'ai pas l'impression. Ah, si, on en a là, j'ai pas. Mais du coup, je vends où toutes mes babioles là? Oh, j'ai enfin vu cette mule. Ok, donc maintenant, je vais pas aller. Non, allez, c'est bon. Je vais directement la base. Quelqu'un a faim ou pas? Normalement, elle, c'est bon.
à tout ta fin, donc je vais donner. Oh là là, ce que j'aime la nourriture. On a ramené. Il est trop mignon. Il semble y avoir plusieurs nouveaux visages à bord. Je l'apprécie, comprends-moi bien. Mais je ne veux pas que tu oublies ton vieil oncle la troupe. Tu me connais, je suis Monsieur Populaire. Je m'entends avec tout le monde. Tout le temps, n'importe où. Mais je ne pensais pas devoir me faire de nouveaux amis grâce à mon âge. À mon âge, pardon. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tout va bien aller. Je suis désolé d'avoir soulevé le sujet. Je vais aller m'asseoir au bord du bateau et admirer cette promenade. En espérant ne pas attraper trop de bouche par la bouche. Peur. C'est le sang à tout le terre. Bonjour jeune femme, je suppose que tu es la nouvelle Spirit Farer. Heureux de faire ta connaissance, je suis Francis. On peut dire que je suis une sorte de marchand ambulant. Tu vois, j'adore les choses, objets, curiosités, babioles. J'achète tout. Pour le dire simplement, j'achèterai tout ce dont tu ne vois pas. Putain. Je suis sûr que tu as déjà trouvé quelques trésors. Alors dis-moi, de quoi sais-tu te débarrasser? Je suis immensément excité de voir une dynamique jeune femme travestiture. Pas que Caron n'était pas un vrai professionnel, mais ses manières étaient un peu froides, si tu vois ce que je veux dire. Et il gardait pour lui tout ce qu'il trouvait. Quel dommage. Mais maintenant, tu es là. Hurrah, si je puis dire. Oh, et pas de tracas, maritime compatriote. Lorsque tu en as besoin, le vieux Francis ne sera jamais bien loin. Mais ne me laisse pas devenir une entrave à ton goût de l'aventure. Vas-y, lève les voiles, mon seigneur. Des quêtes? Graines étranges. Qu'est-ce que c'est que ça? Lorsque plantées dans un jardin, ces graines donnent quelque chose avec un peu de chance, quelque chose de bon. Ah, je vais en acheter. En acheter tout. Ça coûte 500, PRT, vendre. Ça me donne de la thune quand même, c'est bien. Ok. Ok, ok. Bien. Hello. J'ai oublié ton nom. Stella. Je reçois ton courrier ici depuis un mois. Je ne suis pas un bureau de poste. Tu dois ajouter une boîte aux lettres à ton bateau. Si je sens encore une de ces lettres remplie de paillettes, je la fais disparaître. De paillettes, je t'avertis. Tu es une cliente, mais je me réserve le droit de te crier dessus. Fais ce qu'il faut. Of course. Améliorer. Siri médiatisée fonderie. Nice. La loutre intrépide est un bateau de taille moyenne qui te fera filer en douce avec style. Hein? Hein? Ah, c'est bien ça. Bon, déjà ça. Yeah! Et maintenant ça. Bien. Verger, Carole à mouton. Hein? Non, Coral à mouton, pardon. Carole, PTDR. Moulin à vent, poulailler, salon, concasseur, forge, stall. Stall à vache, cellier. Nice. Pardon.
J'entendais dire qu'on vient de renvoyer un employé. Il travaillait bien, mais il n'avait pas beaucoup de culture. Ok, je me tire. Bye. Faire comme il est beau mon bâton maintenant. Oh le sang. Yes. Non, je peux faire comme je veux. Oh, yeah, je vais faire plein de trucs. Oh, le sang, le sang, le sang. Cuisine. Non, cuisine, j'ai déjà. Jardin, métier à tisser. Ah mince. Oui, parfait. Quel magnifique petit jardin. Tu t'es surpassé, Stella. Très bien. Alors nous sommes prêtes pour débuter la première leçon. Assure-toi d'avoir qu'il y ait des graines. Hein? C'est pas français? Assure-toi d'avoir... Ah mais si, assure-toi d'avoir qu'il y ait des graines sur ce lopin de terre. Elles seront importantes. Ok, mais alors d'abord, laisse-moi juste récolter le café et le lait. Alors, comment ça se présente? Ok, un peu comme la ferme en fait. Graines étranges, graines de carottes, graines de navets. Un de chaque, hein. Hey, mes petits papiers accrochés avec une pince à linge là. C'est toujours bien. Pour notre première leçon, nous débuterons avec quelque chose que je suis assez excité de partager. Ce monde obéit à d'étranges règles, comme tu as probablement déjà remarqué. J'ai toujours prêché l'amour envers tous les êtres vivants. Le jardin est le réceptacle de notre amour, un miroir que l'on se tend à soi-même, tu vois. Cela semble encore plus vrai aujourd'hui. Lorsque j'étais seule sur mon île, je chantais pour les fleurs. Et comme je le croyais, elles ont poussé avec encore plus de vigueur. Au bout de quelques essais, j'ai réussi à créer une petite chanson. Les plantes semblent y réagir particulièrement. J'aimerais mettre à l'épreuve avec toi cette observation. Va dans le jardin et essaie de jouer un morceau à tes plantes. Plantasia Fantastica. What? Maintenez Y pour jouer de la guitare. Thank you.
bien. Est-ce que ça marche du coup pour... As-tu vu comment les plantes se balançaient et poussent lorsqu'on... Voilà. Oh, putain. As-tu vu comme les plantes se balancent et poussent lorsqu'on les divertit? N'est-ce pas fabuleux? Comme je le suspectais, les émotions dans ce monde se manifestent plus vivement. Eh bien, je vais m'assurer de faire connaître au monde cette découverte fascinante. Et qui sait, les autres passagers savent peut-être aussi jouer de la musique. Ils pourraient nous aider si leur morale est bonne. D'ailleurs, dans l'agitation des derniers jours, j'ai oublié quelque chose. Voilà, c'est pour toi. Cette pièce étrange m'a agacé dès mon arrivée ici. Je suis soulagé que ce ne soit pas encore une de ces allergies au pollen. Oh, mais oui, un obol, je suis bête. Le tcha-tcha-tcha des artichauts. Yeah. Est-ce que je peux faire pareil pour ici? Oh, le châssis chante. L'infini en fait. Je dois te dire quelque chose. Bah, bah j'y aime. Mais ça va passer. Là, je ne veux pas te déranger avec ça, mais depuis quelques semaines, je fais d'étranges rêves. Je rêve à un serpent géant, à des récifs menaçants et à des fruits poulets. Et depuis que j'ai rejoint ton équipage et toi, eh bien, ils sont de plus en plus clairs. Je crois que c'est l'air du large, ou peut-être les énergies mystiques de la lanternelle. En tout cas, je suis maintenant sûr que mes rêves sont plutôt des visions. Et je crois qu'elles viennent de notre connaissance commune. J'ai regardé la carte de ta cabine. Mes yeux étaient toujours attirés au même endroit. Je te l'indiquais. Je crois que nous devrions aller là-bas. Il ne faut pas attendre. Oula. Afin d'inquiéter un rêve. Oh. Oh. Oh non, 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 non. Stella, tu ne te rappelles pas.
Je ne mange aucun produit animal. Pas de lait maternel, pas d'ovule. Ils ne sont tellement pas faits pour votre consommation. Et la viande, non, non. Je suis désolé, je m'impose pas. J'impose pas mes choix aux autres, mais je ne peux pas manger ça. Oui, merci, j'avais assez faim. Ok. Attends, mais du coup, ma carte, elle a... Est-ce que je vois quelque chose sur la carte, précisément? Orage éclair en bouteille, oui. Oh! Dragon de quartz? Allez là, je veux pas aller là. Non 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 non. Bruh. Ok. Sans ça, qu'est-ce que tu fais là en fait? De toute façon, je vais arrêter. Ça fait quasiment 3 heures que je joue. C'est horrible. C'est trop. C'est trop addictif. Mais vraiment en fait. C'est affreux. Ah, tais-toi. Quoi ? J'rigole, plus ou moins. Hey Stella. Yes. Tu as bien travaillé. Nous avons maintenant un vrai bateau. Tu devras désormais prendre soin de ces nouveaux passagers. Ce sera eux qui testeront ta patience, pas moi. Mais avant tout, j'ai quelque chose à te demander. Tu as sûrement remarqué que nous dormons dans la maison d'invité, et ce n'est pas l'idéal. Et surtout depuis que c'est bandé. Écoute, je ne me plains pas. Tu étais extraordinaire et ce serait terriblement impoli de te blâmer pour quoi que ce soit. Mais je crains qu'il est temps pour moi d'avoir mon espace. Une belle petite maison sans prétention, mais sophistiquée, douillette. Un espace où lire et me reposer, loin du tumulte du pont. Étrangement, je m'imagine quelque chose qui rappelle les Alpes. Tu vois, même moi, je peux être nostalgique parfois. Je ne t'embêterai pas trop à ce sujet, mais je serais ravi que tu construisais cette maison pour moi. Nouveau plan, refuge de Gwen. Ustonia 1. Au revoir. Oh, contient toutes les commodités luxueuses dont a besoin Gwen pour survivre en haute mer. Je peux le faire en plus. Nice. J'adore. Cette cabine est géniale. Cela fait des miracles. Cela fait des miracles. Une chambre à soi. Est-ce qu'elle te rappelle mon ancien condo sur la rue Waverly? Probablement le seul endroit où j'ai pu trouver la paix et le silence. Merci mon ami. Yeah.
je mangerais bien une amuse-bouche. Mais j'y ai pas en fait. Je vais être dingue sur ce bateau. Je n'ai rien à faire. J'ai un surplus d'énergie. Il faut que je m'occupe maintenant. Pourrais-tu m'accorder une faveur? Tu sais que tu as toujours été ma nièce préférée, n'est-ce pas? Je crois avoir besoin d'un lieu où canaliser toute cette énergie. Une scierie. Oui. Il te manque quelques composants, les matériaux. Matériaux que tu trouveras dans les îles avoisinantes. Je compte sur toi pour m'aider. Je suis sûr que tu ne veux pas que ton vieil oncle tombe sur le pont, n'est-ce pas? Mais oui, Brian, what the hell. Ok, du coup, pour la série, il manque quoi? Il manque du fil de lin. Oh! Graine, trésor, bois, minerai. Graines de maïs, graines de merveille, coffre rare, sanctuaire, esprit. Peut-être qu'il faut que je fasse. Ah oui, c'est plus compliqué ça. Métier à tisser. Il me faut du quartz. C'est trop bien, Brian. Hein. Je te jure, bah. Je sais pas si t'étais là quand je l'ai dit, mais. Mais genre j'avais regardé le tout premier trailer d'annonce il y a super longtemps. Et le deuxième trailer qui est sorti après. Et genre je savais que genre le jeu il allait me plaire, tu vois, et du coup genre j'ai pas regardé d'autres trailers depuis. Et genre je savais que ça allait me plaire, mais là je savais pas que ça allait me plaire à ce point en fait. Genre c'est trop bien. C'est super relaxant et puis c'est trop beau, la musique elle est trop belle, enfin je sais pas. C'est un mélange de plein de trucs qui fait que. Et genre c'est difficile de s'arrêter, mais je pense que je vais arrêter quand même. Parce que... Je pensais à perdre dernièrement. Parce qu'il est passé avec tout que je n'ai rien ressenti. Pas de tristesse, pas de haine, pas de soulagement, rien. Ça ne comptait pas vraiment pour moi. Mais pour toi, oui. Tu as pleuré durant 3 jours dans la chambre de tante Pétunia. Je t'ai offert les 3 sorts de Tchekhov et le grand pull que je venais tout juste de tricoter. Maman était consternée, mais tu t'es senti mieux. Je me suis longtemps demandé pourquoi tu étais si triste. Et la meilleure explication, c'est que tu étais triste à ma place. Tu ressentais ce que j'étais incapable de ressentir. What? Genre en plus ça aborde des trucs en mode la mort, etc. Genre de trucs, genre c'est bien en fait. Genre vraiment. Alors, en fait c'est vraiment toute sa famille à Stella, what the fuck? C'est horrible, enfin toute sa famille est décédée quoi. C'est vraiment tous les passagers qu'on va voir, c'est des membres de sa famille. Oui c'est ça, c'est calme, ça repose. Il y a rien qui te prend la tête, genre vraiment quoi. Genre t'as envie de te vider la tête, tu joues à ça quoi. Genre vraiment. C'est quoi ça, cette icône sur la map? Putain, faut que j'arrête. Je vais voir ça et ensuite j'arrête. Je vais essayer de pêcher parce que je commence à être un petit peu à court là.
Alors non, il est sorti sur toutes les plateformes existantes. Genre Switch, PS4, Xbox, PC. Mais alors le problème, c'est que il est uniquement disponible pour l'instant en français sur Steam. Mais il va avoir un patch pour tout ce qui est console, etc. dans quelques jours. Ou peut-être demain ou un truc dans le genre. Je sais pas pourquoi ils ont fait que sur Steam pour l'instant, mais normalement il y a le patch français qui arrive bientôt sur les consoles. Alors du coup qu'est-ce que c'est que ça là? Ah oui, c'est l'abri puce. Ah, c'est ce qui me faisait penser à Shiro. Ça fout là, ça. Donc ouais, c'est si tu veux, soit tu attends le patch qui devrait pas tarder, genre vraiment dans les prochains jours, soit tu le prends sur Steam. Même sur Epic Game Store, il est en anglais, hein, donc c'est vraiment uniquement sur Steam pour l'instant qu'il est en français. Il coûte 24,99€, il me semble. 24,99€, et je crois que tu le termines. L'histoire principale elle doit, en ligne droite, je crois qu'elle doit durer entre 25 et 30 heures. Et pour tout voir, c'est un peu plus de 50 heures, je crois. Donc t'as de quoi faire. Du coup, on voit Gwen dans sa maison. Hello Gwen! T'as faim, bah oui, t'as faim, mais n'apprécie pas le tapage d'Atoul. Oh! Comment je peux modifier ça, le tapage d'Atoul? Peut-être qu'il faut bien placer ces bâtiments pour que tout le monde soit content. Eh oui! J'avais pas pensé à ça. Oh! Du coup, j'ai deux poissons grillés en. D'accord. Hello. Qu'est-ce que je peux te donner mon petit? Oh. Il est trop mignon, oh my god. Ok. Bon, je stoppe. Je stoppe. Il faut que je stoppe. Je vais regarder mes missions par contre. Visiter le lieu qu'indiquait Summer sur la carte. Oui, ok. Broutille. Mais oui, genre, il coûte vraiment pas cher pour tout ce qu'il propose en fait. Quand tu vois les jeux maintenant, enfin bref, on va pas parler de ça, parce que c'est un long sujet, un long débat. Bref. Quitter. Bon, bah j'ai joué plus de 3 heures. PTDR. Waouh. Et bah c'était trop bien, enfin c'est trop bien. What the fuck. C'est un mélange de jeux de gestion. Alors moi de base j'aime les jeux de gestion. Mais le problème c'est que je trouve que ça, je m'ennuie très vite. Genre sur Stardew Valley par exemple, j'adore, mais j'ai plus envie d'y. Enfin j'ai pas envie d'y jouer pour le moment parce que j'ai l'impression de toujours faire la même chose et que ça tourne très très vite en rond, alors que là, genre c'est un jeu de gestion, mais t'as plein de trucs autour avec les esprits et tout, et puis toutes les petites îles que tu peux visiter, etc. Donc t'as plein de trucs à faire, donc ça c'est cool. Et je préfère. Donc à voir. Et j'ai pris le meilleur screenshot, hein, OMG. Bref, je coupe ici, donc merci d'avoir regardé, c'était trop bien, je pense que je...
Je pense que je continuerai peut-être de mon côté, puis après peut-être que je lancerai encore un autre live dessus une fois que j'aurai avancé, ou alors je lancerai un autre live directement après, plus tard, demain ou après-demain. Bref, je sais pas. Sur ce, bye bye, ciao ciao.